Bonjour, bonjour, ici Sir Abraizen pour servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Potion Craft. Alors, la fin, on s'était arrêté pile poil ici où on avait. Vous devez d'abord servir tous les. Bah quoi? Ah bah, yep! Ah, il y avait encore des personnes! Ah, oh, je croyais que c'était la fin! Un client très étrange s'est présenté à notre hôtel. Il prétend avoir une peur bleue du feu. Au point de ne jamais utiliser de bougies, cependant il existe des lumières dans. Oui, bah tiens, hop. Cadeau. Hier, trois voleurs m'ont tendu une embuscade. Ils m'ont demandé la bourse ou la vie. Je leur ai rien donné. Alors, ils ont fini par me rouer de coups et j'avais de l'argent sur moi. Mais je l'avais juste caché en lieu sûr. Et il va falloir tout dépenser pour une potion de soin. Mon corps me fait trop mal. Bon, bah on va aller chercher une potion de soin, mon ami. Que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas les ressources. C'est une blague? Ou c'est parce que je suis pas sur le truc d'alchimie peut-être? Non, je n'ai plus les ressources nécessaires pour te faire une potion de soin. Et j'en ai pas acheté parce qu'en fait, je pensais que c'était fini dans l'épisode d'avant. Donc, ben, dégage. Eh bien, bonjour, on m'a demandé une shop d'alchimie au ville. Et alors, je me demandais dire pourquoi. Bonjour, je suis la sorcière du coin, c'est... Du moins comme ça qu'on m'appelle par ici, enfin... Vous n'auriez pas du poison par hasard? Non, on n'a pas de poison. Mais est-ce qu'on peut te faire du poison facilement? Non, on n'a plus rien qui va dans ce coin-là, donc non. Pourquoi une sorcière a besoin de poison? Hop, dégage. Bon, on a fini sur une note assez négative, je le reconnais, mais on va pouvoir enfin faire dodo. J'aurais dû faire ça à l'épisode d'avant. Mais que voulez-vous? A priori, quand le marchand vient, eh ben, ça veut pas dire que c'est la fin. Hop, on récupère quelques petites choses par-ci, par-là. On n'a rien à récupérer par ici. Tac, tac. Bonjour, bonjour. Ah, directement les shops comme ça. D'accord. T'as quoi, toi? Feuille enchantée. Je t'en prends une. Je vais négocier. C'est parti. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Je peux pas aller plus bas. Hop là. Merci. Terminé déjà. Alors, la feuille enchantée, à quoi ça sert? Ça sert d'avoir des nouvelles feuilles dans le livre de recettes. Salutations, l'idée du siècle m'est venue. Brasser une bière qui réchauffe les eaux, même le rang froid. Maintes gens de province du Nord la paieraient un bon denier. La recette est presque prête. Mais pour que la bière conserve sa chaleur, il faudrait une sorte de liquide chaud. D'accord. Ben, on va faire du liquide chaud. Voilà. Donc, voilà du liquide chaud, mon ami. De très bonne qualité. Yes. Aidez-moi, je vous en prie, mon fils était en train de jouer avec ses amis dans la forêt, s'est foulé la cheville en sautant du haut d'un arbre. Est-ce qu'on a le parchemin pour les entorses? Non? Bon, bah on va donner le générique qu'on n'a pas parce qu'on n'a plus ça. C'est pas grave, est-ce qu'on peut le faire autrement? On va essayer de le faire autrement. Tac, 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 tac. Tac, tac. Et je touille, 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 c'est ma façon d'aimer. C'est ma façon de touiller. Putain, ce que j'ai en 36657 exemplaires, ça ne va pas. Bon, bah... Ça m'embête d'utiliser ça, mais bon, tant pis. Hein. Je taille, 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 tac. Tac. On touille, 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 tout doucement. Là, on va passer avec un tout petit DPI sur la souris. Et si je rajoute un tout petit peu d'eau? Allez. Allez, là, 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 allez. Non, toujours pas. On va retouille-touille un peu.
On va remettre de l'eau. Ouais, voilà. Et on va chauffer parce que de toute façon cette recette-là, on l'a déjà terminée la popo. Et je vais pouvoir lui donner une popo. Alors, il va falloir que, par contre que je remette la bonne couleur. Hop, merci. Non. On va passer en blanc. Hop là. Voilà. 36? Oh, t'es... C'est pas cher pour une potion de 3 étoiles, mais bon. Votre échoppe est devenue plus populaire, d'accord. Les enfants ont commencé à disparaître dernièrement, alors qu'ils allaient jouer près du lac de la forêt. Les jeunes sont convaincus que c'est à cause d'un triton qui m'a chargé de m'occuper. On m'a chargé de m'occuper de ce monstre, mais j'ai pas envie. On a dit que les tritons ont fui le bruit du tonnerre. Une potion de foudre, rien que ça, mon ami. Là, on a le froid, là, on a la lumière, là, on a le feu. Je ne sais absolument pas où ça va être, hein. Alors, on va d'abord. Oui, bon, c'est pas grave. Tomber. Tac. On va aller sur pas dans ce coin-là parce que ça peut être dans ce coin-là ou dans l'autre. Là, on voit qu'il y a une potion. On va essayer de la récupérer. Tac. Hop. On avance, on touille-touille, on touille-touille. Toi toi. Toi toi. Toi toi. Et là on glou glou, on glou glou, on glou glou. On toi toi, toi toi, toi toi. Voilà, et là on va glou glou. Oh là, non. Bon, de toute façon, je vais pas m'amuser à remettre une potion rien que pour ça. On va chauffer. Et c'est la potion de gel. Enregistrer la recette. Terminer la potion. D'accord. Donc là, on a la gel. Là, on a ça. Là, on a la lumière. Là, on a le feu. Oh, la foudre, elle est pas dans ce coin-là. Ce serait là, la foudre? Juste là-dessous? Bon, ben on pourra pas. On peut pas. Bonjour, vous avez besoin d'herbe? Ouais, ça par contre on a besoin, oui. Il va me falloir des trucs... Oh, ça j'adore. Ça c'est pas mal non plus. Ça je vais t'en prendre plusieurs, je pense. Et par contre on va négocier. Oui, alors on va négocier, on va parler de femmes, de livres, de bouffe, de température. Ah, faut pas se gourer, hein. Bon, allez, tant pis. Je vais payer plus cher que ce que je voulais. C'est pas grave. Retour, terminer le dialogue. Alors, rendez-vous au point de rendez-vous de mon unité quand j'ai aperçu votre échoppe. Je pensais que c'était l'occasion d'acheter ici une potion pour un match de combat. Depuis peu, il me plaint d'avoir perdu une partie de ses pouvoirs magiques. Il paraît qu'une potion existe pour restaurer l'énergie. Potion de mana. Vous m'en direz des nouvelles. Et un fourmilière est apparu près de chez moi. J'ai des fourmis partout, sur le sol, les murs, le plafond et même dans la nourriture. C'est intolérable. Il faut quelque chose pour exterminer les insectes et vite. Quelque chose pour exterminer les insectes. J'ai une potion de ralentissement et une potion de gel. J'ai pas d'insecticide. J'ai pas insecticide moi hein, personnellement. Poison. On va dire que ça serait de la mort au rat. Bon allez hop. J'ai rien de tout ça moi.
Faites-moi l'amitié de me donner un puissant remède guérisseur. Hier, j'escortais une caravane avec mon père quand les bandits m'ont attaqué. J'ai reçu un coup de couteau qui m'a fait tomber du chariot sur la route. J'ai la chance d'être en vie, je vais maintenant me soigner et rattraper la caravane. Ah oui, effectivement, oui. C'est pas une... C'est pas de tout repos, votre job, hein. Je peux toujours pas refaire de façon automatique. Bah non. Bah j'ai rien pour descendre, donc ça va être rapide, ça va être non. Non, aujourd'hui je suis pas d'humeur. Allez hop, dégage. Il y a plus personne. On a vu qu'on avait fini, on avait des points, on a gagné des points. On va aller chercher sur la carte là, c'est bien. On a vu aussi que le livre d'alchimie on l'avait avancé. Là. Donc, tout ça c'est fait. Terminé, on a eu 500 points. Là, on est en train de faire des choses diverses et variées. Ah, et on va garder en fait tout ça parce que j'ai l'impression que là, je vais commencer à voir les habitants qui vont pas être contents. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il y a mon petit Loki qui est là, qui me fait un gros câlin. Oh oui. Voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas non plus de vous abonner, hein. Ça me ferait plaisir et à lui aussi. Il serait tout content, il mangerait deux fois plus de croquettes. Oui. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.